Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Alléluia, 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 Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour moi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous, et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Aujourd'hui, c'est la transfiguration du Seigneur.
Jésus se révèle à trois de ses disciples pour affermir leur foi. Et comme à son baptême, la voix du Père s'élève pour leur réaffirmer qu'ils ne se sont pas trompés. Celui qu'ils suivent est bien le Fils de Dieu. Le Christ voulait sans doute les préparer pour affronter l'heure de son agonie. Il sait que l'heure où il allait être livré approche, et il décide de se révéler à ses disciples. En effet, la personne humaine du Christ ne révèle pas d'emblée qui il est. Il y a un au-delà de Jésus qui est caché et ne peut être connu que révélé. Emmanuel Durand, dans son livre « L'offre universelle du salut en Christ » le précise bien. Son apparence est en effet de condition commune, car sa manifestation demeure empreinte de simplicité, de discrétion, d'humilité, voire d'insignifiance, suivant les critères du monde. C'est pourquoi son visage transfiguré laisse apparaître sa gloire, cette gloire qu'il tient de son Père. Mais bientôt, ce visage rayonnant de gloire sera méconnaissable à la Passion. Et pourtant, c'est la même personne, jadis transfigurée, qui est devant Pilate et le peuple. Jésus lève donc le voile pour se révéler comme Fils de Dieu et Dieu lui-même. La transfiguration de Jésus est un avant-goût de sa glorification. Maintenant, les disciples pourront, au moment grave, fuir et laisser le Maître seul. Mais ils n'oublieront jamais cette scène où le ciel a communiqué avec la terre et où le Père témoigne en faveur de son Fils. Ce sera pour eux un signe de réconfort et d'espérance. Ils viennent de vivre de façon anticipée la gloire du Fils, que la mort ne peut en aucun cas arracher. Laissons-nous transfigurer de l'intérieur par l'Esprit Saint et prions pour la transfiguration du monde et de tous les hommes. Dieu vous bénisse. Jésus mon Sauveur, Jésus mon Roi, entends ma prière qui monte vers toi, ô Seigneur. Entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Qu'il vienne en moi faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime.